Il faut aimer pour dessiner. C'est son âme qu'on enduit. Gravé, taché, soufflé, raclé, votre outil et votre corps. Resteront ces traces, ces lignes, ces êtres vivants capturés dans la roche, cet esprit rendu éternel par la puissance d'aimer. Le nom glorieux de notre femme peintre a traversé les siècles, une référence du 16e. Elle accompagne maintenant dans l'histoire de l'art le prestige de Michel-Ange, de Raphaël, de Léonard de Vinci. Mais vous avez bien deviné, je vous parle de... Sophonisba Anguissola. Voilà. Ah, vous n'avez pas de Sophonisba Anguissola chez vous? En poster au moins. Ou en petite carte postale? Mais non. Les catalogues n'en parlent pas. Ou depuis peu. Oh, 5 siècles plus tard. Pourtant, elle a portraituré toute la cour d'Espagne. Roi, reine, enfant, grand petit, tout y quanti. Sœur Plotilla a fait cette scène, destinée au réfectoire, appelée le dernier souper. Mesdames et messieurs, la plus grande œuvre peinte par une femme de la Renaissance. Mais qu'est-ce qui lui a pris à sœur Plotilla de vouloir se comporter comme un frère? Comme si une sœur pouvait dire la messe. C'est ça, vous donnez l'hostie. Là, bon ça. Mieux. Elle a peint un petit texte. Orate pro pictora, priez pour la peintre. Oh, voilà qui a glorifié, épouvanté le couvent tout entier, le bedeau, et peut-être même son éminence. C'est ça, quel orgueil. Ah, péché mortel, faut-il le rappeler. Mais la peinture est toute ma vie. Non, votre vie est ici. Non, mais vous trouverez toujours bien moyen de griffonner quelques pastels. Ils sont charmants, d'ailleurs délicieux, j'en suis sûr. Mais de grâce, plus jamais ces énormes portraits, ces huiles, et surtout pas cette école, la pauvre femme peinte que vous avez cru bon de fonder. Non ! Votre place est désormais ici, près de votre conseiller d'État de Marie, que, d'ailleurs, tout Paris prévoit comme ministre un jour ou l'autre. Marie-Elisabeth Capet. Léonore Fini. Livina Terlank. Constance Maillère. Anne Dorothée Terbuche. Notre mémoire se perpétuera avec nos œuvres, nos arts, et témoignera, alors peut-être, d'un monde en train de bouger. Ben c'est le moment.